Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc cette vidéo est dans la continuité des autres tutoriels que j'ai pu faire sur la compétition sur Fortnite. Donc si cette vidéo là vous plaît, allez voir les autres vidéos de ma chaîne, les autres tutoriels, ils vous plairont aussi. Donc dans cette vidéo, je vais analyser la game du joueur qui est arrivé premier à la semaine 9 de la qualification à la World Cup. Et je vais pouvoir vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils pour que vous aussi vous puissiez vous améliorer et que vous puissiez améliorer votre gameplay. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et si la vidéo vous plaît, vous pouvez liker et vous abonner, c'est toujours aussi gratuit. Donc voilà, on se retrouve pour commenter la game de Xipher Andretta. Donc déjà, première chose qu'on peut remarquer quand on va regarder un peu son gameplay dans les rediffs, c'est sa barre de feed, là où il va faire ses kills dans la game. Donc ça, c'est aussi une question que vous devez vous poser un peu quand vous allez jouer, quel type de gameplay vous voulez adopter. Donc là, on voit que c'est un joueur qui va vraiment vouloir faire ses kills sur la fan game et qui en early ne cherche pas vraiment le fight. Il sait qu'il n'a pas besoin de prendre des kills en early, que ses kills en fin de game vont lui suffire, qu'il fera assez de points pour se qualifier à la World Cup ou pour vous, après ça peut aussi être par exemple pour vous qualifier à la finale ou pour atteindre un certain top. Faut aussi voir ça. Faut toujours que vous ayez ça en compte en fait. C'est quoi votre objectif quand vous allez commencer? C'est 40 points. Combien de points vous allez faire par game, où est-ce que vous allez faire vos points, où est-ce que vous êtes assez bon. Il y a des joueurs qui savent en late game sont pas très bons, donc c'est plutôt en early qu'ils vont aller chercher les kills. Donc faut vraiment réfléchir à ça. Donc là on voit la première chose qu'il fait, il va chercher sa petite bulle et puis il s'en va. Donc là voilà, il cherche le petit spawn à bulle. Donc là c'est assez intéressant parce que cette bulle là, voilà, c'est une très grosse mobilité et elle va lui permettre de pouvoir faire plein de petits spawns un peu aux alentours. Et donc il n'aura pas besoin de faire un gros spawn, il n'aura pas besoin forcément de se fight sur Frosty. Donc déjà ça pour lui ça va être assez intéressant. Donc là on voit il va faire un petit peu tous les spawns qu'il y a autour. Donc pour vous ça peut être aussi un moyen, voilà, si vous n'avez pas trop de spawn et que vous cherchez encore un spawn, vous pouvez regarder un peu les routes que font les joueurs professionnels. Et ils ont des routes qu'ils ont déjà beaucoup travaillé, qu'ils ont optimisées. Comme moi je vous ai montré un peu sur ma vidéo sur un spawn dans la jungle. Donc ça c'est très important, c'est le genre de spawn là qui vous intéresse, des spawns qui sont vraiment travaillés. Et là où des spawns vous allez avoir beaucoup d'opportunités et de possibilités, vous allez pouvoir vous adapter en fonction des ennemis, ça qui est très important parce qu'il faut être assidu. Vous avez que 10 games dans ce format là, c'est pas un format où vous pouvez faire autant de games que vous voulez, et si une game se passe mal, ça peut être assez catastrophique pour vous. Donc là on voit il va à un endroit où il y a quasiment personne sur la map, donc il fait plein de petits loot, tout petits loot tout autour, et donc ça va lui permettre d'avoir un stuff assez correct. Donc là je vais passer un peu les moments où il farme pas, ce qu'on voit que l'early games pour lui c'est clairement un moment où voilà il se passe rien, il va juste vouloir farmer. Peut-être que s'il a pas le choix il va se fight avec quelqu'un ou s'il y a une opportunité. Mais là pour le moment en tout cas on voit que dans sa barre des feats qu'il se passe rien, qu'il va juste vouloir farmer. Donc oui, posez-vous toujours sur votre spawn, faut toujours que vous posiez la question d'avoir assez de coffres, comptez les coffres si vous voulez vraiment tryhard, hein. Après si vous voulez juste jouer comme ça et vous n'êtes pas au niveau de tryhard, à ce niveau de tryhard là. C'est pas la peine, mais posez-vous au moins la question que vous ayez assez de loot et que vous ayez les trois matériaux différents, c'est-à-dire bois, pierre et métal. Faut que vous puissiez en avoir 500 de chaque, avoir quand même un plan B, c'est au moins le minimum, avoir un plan B. Jamais ça se passe mal, même au niveau des matériaux, si par exemple un de vos spawns à matériaux a été farm, faut que vous en ayez un deuxième endroit où vous puissiez récupérer assez de pierre, de métal ou genre de choses pour être bien pour la fin de game. Après vous pouvez aussi décider de vous dire que voilà, votre moyen pour récolter des matériaux ça va être de tuer quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Après tout dépend du gameplay que vous voulez avoir. Donc là on voit qu'il farme un peu tout. Donc là bon c'est assez tranquille, il va juste vouloir se stun, faire tous les petits spawns. Il joue assez safe, je pense qu'il évite totalement les fights en early games. Donc là à chaque fois on voit qu'il cache bien sa bulle. Donc là je voulais pas montrer hein, mais sa bulle est ici. Donc il la cache bien à chaque fois, pas que les gens la volent. Donc ça c'est important. Si vous avez un spawn bulle, donc vous jouez avec votre bulle pour vous farm, ne faites pas piquer ou casser votre bulle. Donc cachez-la, pas que les autres joueurs puissent la voir. Ça c'est assez important. Donc lui il le fait très bien. Donc ouais, on voit que les joueurs en early games en général ils cherchent absolument pas à se fight hein. C'est vraiment pas le but, c'est pas ça qui vous permet d'être le plus assidu sur vos games. On voit qu'il reste encore 72 joueurs en vie. Donc là des fois il y a des fights, c'est parce que les joueurs n'ont pas le choix. Des fois il y a des joueurs qui ont un style de jeu plus agressif hein. C'est aussi le cas par exemple des joueurs Stompy et Chicken. Je sais pas s'ils sont dans la game, je pense pas. C'est encore une des premières games.
Donc après oui, ça va dépendre du style de jeu que vous voulez avoir. En général, les joueurs optent quand même pour un gameplay assez safe. Eux, ils vont tenter de faire des kills en late game. Donc là, on voit qu'il y a Solar Hunter, c'est son style de gameplay à lui aussi. Hein. C'est plutôt un gameplay assez safe en early. Et lui, il aime bien prendre des fights en early game sur des joueurs qui galèrent un peu. Ça, j'aurai l'occasion de vous commenter un peu son gameplay dans d'autres vidéos parce que son gameplay est très intéressant et c'est un style de jeu que je trouve qui peut vraiment permettre d'aller loin. Donc là bon, il farme tranquillement, on voit que l'usine c'est très intéressant pour le métal, il y a beaucoup de métal. Donc en général c'est rare qu'un joueur à lui tout seul il va récolter tout le métal. Donc vous pouvez passer après par la suite une fois que ça a été loot juste pour récolter du métal. C'est un spawn qui est quand même pas mal pour le métal. Il y a déjà tous les camions et tout ça qui sont en dehors. Et puis à l'intérieur vous avez plein de bancs et cela vous rapporte énormément de métal. Je crois que c'est 8 de métal, je dis ça de tête hein. Par banc, donc c'est pas mal. Les grillages c'est toujours très intéressant parce que quand vous tapez dans la zone x2, ça va vous donner jusqu'à 14 de métal, donc c'est énorme hein, pour du métal. Bon, les conteneurs c'est un peu moins intéressant, mais après les joueurs eux, s'ils ont le temps, sachant que le mid game en général, le mid game il se passe pas grand chose, donc ils ont le temps de farm, il faut juste pas croiser de joueurs, c'est surtout ça. Après, le plus vite vous êtes farmé, le plus vite vous avez votre équipement, plus vite vous pourrez après prendre des fights ou être safe dans la zone. Là on se voit, il va juste se placer, je serais intéressé quand même pour voir où est-ce qu'il va se placer dans la zone, quelle position il va choisir. Donc il n'y a pas de mauvaise position après dans la zone, ça dépend de votre gameplay. Donc là on voit, je vais vous montrer la carte, hop, donc il s'est placé ici. Donc ce spawn là, enfin cet endroit là est assez intéressant là où il s'est placé. Donc là il est vraiment plutôt sur une hauteur au milieu de la map, donc la prochaine zone il sera très très proche de la map. Après, seul souci, c'est qu'il est très reculé dans la zone. Donc en général, les joueurs, ils vont tous arriver par là. Donc par le nord, là, en fonction de la zone. Donc si vous voulez prendre des kills, vous pouvez vous placer ici, là où le joueur là est placé. Ça va vous permettre de pouvoir shoot un peu les joueurs qui arrivent comme celui-ci. Prendre des shoots, pouvoir prendre potentiellement vos premiers kills. Donc lui, il n'a pas choisi de faire ça. Il a choisi de jouer très safe. Et donc de se placer ici pour pouvoir attendre un peu les prochaines zones. Donc il regarde quand même hein, là où il peut récolter s'il peut pas récolter des petits kills. Donc là, autre chose qu'on peut noter, une chose assez intéressante, c'est la façon qu'il fait pour avoir l'information tout autour. Donc on voit qu'il a placé un toit en dessous, donc ça je vous l'ai expliqué dans ma vidéo tutoriel. Ça c'est très intéressant, le toit vous permet de faire beaucoup de possibilités. Et puis il le met comme ça, vous voyez, un peu en biais. Et comme ça il peut se placer tout en haut très facilement. Hop, il met son chapeau et là il a une vue à 360 degrés tout autour de lui. Donc ça c'est super intéressant pour prendre l'information. En général on fait des fois d'autres techniques, on voit les joueurs qui font un peu d'autres choses. Mais c'est pas aussi efficace, donc pas autant d'informations. Après c'est juste que là s'il doit shoot, du coup il sera assez vulnérable. Donc après faire ça, ça peut aussi être pas mal si vous voulez vous retrouver dans le toit. Ça c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup les joueurs faire, ils se mettent dans le toit. Et puis si un joueur passe à côté d'eux, hop, ils éditent très rapidement, ils peuvent leur tirer dessus. Donc ça c'est pas mal aussi pour après placer un toit et du coup, enfin pardon pas un toit, un sol juste en dessous de là et du coup après il peut se déplacer dans le sol très facilement. Donc là on voit il regarde un peu tout autour de lui, un peu tous les shoots qu'il peut prendre. Donc bon là comme je vous ai dit, hein, là vu comment il est placé, il y a peu de chances qu'il puisse prendre des shoots, surtout qu'il a pas de sniper. Donc il aura un peu plus de difficulté à aller chercher ses ennemis là où il est. Donc là par contre, il a maintenant une très bonne position. Pourquoi? Parce que là il est en hauteur et tous les joueurs qui sont là, qui sont au nord-ouest, ils vont devoir venir dans la map. Allez, déjà ils commencent tous à se déplacer dans la zone. Donc là il a une très bonne position pour prendre des shoots. Il va pouvoir un peu shoot tous les joueurs qui vont être dans la zone. Donc là quand vous êtes dans cette position là, un peu tiré sous les joueurs, il faut prendre les informations. Donc quand vous voyez qu'il y a un joueur qui est en plein shield, si c'est pas shoot, ça sert à rien après d'aller les chercher hein, parce que vous allez pas lui mettre 200 HP. Mais si vous voyez, dès qu'il y a un joueur qui est dans le blanc, là par contre spammez-le. Donc là il va regarder, il va faire que ça. Il a raison pour prendre un peu vraiment l'information. Cette technique là est très efficace, on voit qu'il l'a fait à chaque fois. La technique du toit pour pouvoir prendre l'information en 360 degrés. Donc là il regarde un peu tout ce qui se passe autour, il voit un peu les joueurs. Donc là il y a un joueur, il les tire pas dessus. Non, après il y a ça lag. Hein. Leur mode spectateur lag encore pas mal. Donc là on voit qu'il va prendre un kill bientôt. Donc c'est justement parce qu'il a une très bonne position dans la zone. Hein. Après vous pouvez aussi miser là-dessus. Par exemple là vous dire comme lui je prends un spawn assez reculé dans la zone au milieu sur une hauteur. Peut-être que par la suite j'aurai une très bonne position pour prendre des shoots sous les joueurs qui voudront se placer près de moi. Donc là peut-être c'est ce qu'il a voulu faire. Je suis pas dans sa tête hein, donc je sais pas forcément exactement pourquoi il a voulu faire ça. Je peux juste vous donner un peu des raisons potentielles pourquoi il aurait pu faire ça et vous donner un peu des conseils.
sur son gameplay et si vous voulez avoir un gameplay similaire au sien. Donc là on voit il prend un peu les shots, il essaye. Après le problème c'est que ce qui est un peu dommage c'est qu'avec leur mode de rediffusion il y a un peu un problème au niveau de la visée quand il vise, c'est pas vraiment là où le joueur il visait au moment là. Parce qu'on voit qu'il vise un peu à côté. Donc là il y a un joueur qui passe au dessus de lui. Ok, il y a eu un lag, on voit pas, je crois que j'avais déjà vu la game, on pourra pas voir un peu comment il l'a tué exactement. Mais en gros, bon, ce qui est quand même assez intéressant là, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il se cache un peu dans son toit, il peut éditer son toit à n'importe quel moment, et il peut shoot son adversaire très, très facilement. Je vais quand même baisser la qualité du... Je sais pas si ça va changer quelque chose, haute qualité, non, je l'ai enlevé. Il fait des dégâts, je vais mettre 8 quand même. Il fait de la tempête 8 contre des joueurs. Bon, on va mettre 8 quand même. Pour pouvoir avoir plus d'informations que le joueur. Donc, oui, voilà. Franchement, cette technique là est très intéressante. Si un joueur passe près de vous, vous pouvez en plus avec le nouveau pompe qui est assez intéressant parce qu'il vous permet de prendre des gros shoots, d'infliger des gros DPS à des joueurs qui passent près de vous. Et même s'ils sont à mid-range ou assez loin, ça met quand même des bons dégâts. Donc là, on voit que c'est un joueur qui était en galère. Il a dû one shot. Ouais, il a one shot parce qu'il était à 22 balles de munitions. Il a mis une balle de pompe et il a tué le joueur. Donc ça c'est assez intéressant. Donc là il a récolté beaucoup de matériaux. Donc là ce qu'il faut faire quand vous, dans ce cas là c'est quand vous récoltez autant de matériaux, c'est regrouper tous les matériaux que vous avez récoltés à un endroit et puis après les utiliser. Donc là on aura l'information. Non, là, il est encore dans la zone. Donc là il a pas grand chose à en faire, sachant qu'il a une bulle, les matériaux seront pas forcément hyper utiles. Ça peut lui permettre par exemple d'extend dans la prochaine zone. Donc pour lui ça serait très intéressant d'extend s'il n'avait pas de bulle. Ça lui permettrait d'utiliser, d'économiser ses fumigènes. Donc là il y a un joueur contact à lui, il va pas le fight, c'est pas dans son intérêt. Il a une très bonne position, il est en hauteur, là ce qu'il doit faire tout simplement c'est prendre des shoots sur les joueurs qui rentrent dans la zone. Donc là c'est ce qu'il a fait, il regarde un peu les matériaux qu'il a. Qu'est-ce qu'il peut en faire? Il réfléchit. Je vais vous enlever ça, c'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ses matériaux? Bon, il peut extend, c'est une première chose. Ou se faire une grosse base. Je pense qu'il va. Il peut potentiellement, ce qu'il pourrait faire, c'est dans la prochaine zone, mettre sa bulle, enfin extend, mettre sa bulle dans la prochaine zone grâce à son extend, utiliser tous les matériaux et comme ça il garde un maximum sa mobilité. Votre mobilité qui est très, très importante dans les qualifications parce que les joueurs survivent très longtemps. Surtout là, c'est la finale, hein. Donc les joueurs survivent très longtemps, donc vous n'avez jamais trop de mobilité, donc c'est important de vraiment l'économiser au maximum. Et si vous avez, des matériaux d'un joueur que vous avez tué ou d'un joueur que vous avez ramassé au sol, utilisez-les à fond. Utilisez-les à fond, ce sera vraiment bénéf pour vous. Donc bon, là il y a la Storm Surge, donc il est au-dessus. Pensez toujours à la Storm Surge, hein, comment elle s'active. Donc là on est à la 4ème ou 5ème zone. On doit être à la 4ème il me semble, ou 5ème, je sais plus. Il n'y a pas marqué, non je crois pas qu'il y a marqué. Ah non, 4ème, voilà il est marqué en bas à droite. 4ème zone, il y a la Storm Surge parce qu'ils sont plus que 50 il me semble. Donc ça, ayez ça en tête, donc prenez toujours des petits shoots hein, par-ci par-là, c'est quand même intéressant. C'est toujours ça de prix. Parce que si vous avez la Storm Surge sur vous, vous allez être quand même embêté. Donc là, voilà, très intéressant de sa part, il voit qu'il y a les joueurs là qui vont. Là les joueurs sont déjà rentrés dans la zone. Mais certains sont en galère parce qu'ils étaient, ils sont rentrés de peu ou ils sont fait shoot. Donc essayez de prendre un peu, voir un peu tâter le terrain, prendre les informations. Utilisez pas trop vos balles, mais si vous voyez qu'il y a une construction qui est assez faible et qu'il y a un joueur derrière, vous pouvez toujours tirer un peu dedans, voir si le joueur est dans le blanc. S'il est dans le blanc, continuez à tirer. Peut-être que d'autres joueurs vont commencer à tirer avec vous parce qu'ils vont voir qu'il y a une opportunité. Ça se fait beaucoup. Vous pouvez aussi avoir par exemple le gameplay de Solary Hunter. Lui il voit que dès qu'un joueur il va se faire shoot, il va shoot avec et il va essayer juste de récupérer la dernière balle. Il va tirer la dernière balle avec son fusil d'infanterie et ça paye très très souvent. Donc soyez très attentif aux joueurs qui se font shoot. C'est le plus simple pour vous, c'est là que vous allez économiser le plus de balles et vous allez pouvoir récupérer des kills très facilement. Alors que vouloir prendre un 1v1 dans un Turtle Fight, ça peut vous coûter très cher, c'est très risqué aussi. Donc là ça sera moins intéressant. Donc là on voit il extend. Donc il a les matériaux, il a l'information sur la prochaine zone. Donc il va extend dans la prochaine zone. Très important avec les matériaux qu'il a. Donc il n'hésite pas à faire une grosse construction. Donc après il aura le choix. Il pourrait par exemple aussi déplacer la bulle dans la prochaine zone. Bon après dans les toutes fins de zone la bulle n'est pas forcément utile parce que c'est compliqué de la gérer. Donc là ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est dans l'idéal, même si c'est pas facile, hein, moi je vous dis l'idéal, même bon c'est pas facile même pour les plus gros joueurs de le faire, c'est vraiment d'extend le plus rapidement possible pour ensuite se placer et pouvoir shoot après les joueurs qui vont vouloir arriver dans la zone qui seront en galère.
faut toujours penser que oui, pour récupérer un maximum de points pendant ces qualifications, il faut essayer de récupérer des kills très facilement, des kills des joueurs qui sont en galère, des joueurs qui viennent de se faire shoot. Donc là on voit, voilà, c'est ce que je vous disais, il va vouloir placer la bulle dans la prochaine zone. Donc là il est dans la prochaine zone, c'est bon il me semble. Par contre ce mode de rediffusion qui bug toujours autant, ça faudrait qu'il le règle, tout comme le mode créatif hein, qui bug énormément. C'est assez gênant. Donc là voilà, hop, il a placé sa bulle dans la prochaine zone, donc il va devoir prendre des shoots. Il regarde un peu les joueurs qui rentrent dans la zone, là il voit qu'il n'y a pas trop de shoot à faire, c'est un peu dommage. Après, bon, des fois les joueurs, on va dire qu'ils auront un peu de chance parce qu'ils tirent au bon moment. Ils tirent une balle sur un joueur et ils le tuent, mais bon, il faut aussi savoir créer les opportunités, augmenter votre chance. Et les joueurs professionnels en général, ils savent comment être au bon moment, au bon endroit, le plus souvent, ou en tout cas augmenter leur chance d'être là quand il faut. Donc là voilà encore cette vision à 360 degrés avec ça, bon là il n'y a pas tout qui lui intéresse. Mais là ça va lui permettre quand même de voir un peu les informations, d'avoir un peu des informations sur les joueurs, d'essayer de prendre des shoots. Donc là il va partir avec sa bulle. Donc là voilà, il part. Putain, la zone commence déjà à bouger, donc il part déjà maintenant. Il part pas au dernier moment. Ça va lui permettre de tempo un peu maintenant. Ok dommage, il a pris 10 HP, il tempo un peu avec sa bulle. Ça c'est intéressant parce qu'il va pas pouvoir faire le trajet d'une fois. Et là maintenant il cherche un peu l'équipe. Là ça se voit, maintenant il est un peu dans une optique où il va vouloir chercher un peu les derniers joueurs. Parce qu'il sait qu'il en est capable, voilà, de récupérer plein de kills en fin de game. Et là on voit c'est ce qu'il fait clairement. Donc là c'est très bien, il a tempo un peu. Il a tempo avec sa vie, il a tempo un peu dans une box. Et après il va pouvoir repartir pour prendre sa position finale pour cette zone là. Donc là il attend un peu, dès qu'il est dedans, hop il se place. Et les joueurs contactent à lui, faut qu'il fasse attention, il a pas les constructions, il y a un joueur sur lui. Putain par contre c'est fou, je suis désolé hein, mais là c'est vraiment pas ma faute, c'est le mode créatif qui bug à fond. Normalement avec mon PC il y a aucun souci. Donc voilà, on va revoir un peu, peut-être vous montrer un peu quand il prend ce kill. Donc là faites attention quand vous placez dans la zone, donc là on va dire qu'il y a le joueur qui vient sur lui. Ouais, il lui a mis la balle très propre hein. Après les joueurs souvent ils vont stresser sur les fangames parce qu'ils sont pas habitués. Et c'est là qu'on voit aussi les très très bons joueurs, les joueurs qui même sous stress, sous tension, ils vont pas louper leur balle, ils vont être très propres et ils feront aucune erreur. Donc là il n'en a fait aucune. Donc faites très attention quand vous allez voir vous boxer, sortir de votre bulle, sortir de votre fumigène, quand vous allez arriver en tremplin, en faille, peu importe, qu'il n'y ait pas de joueurs collés à vous, parce que souvent les joueurs vont vouloir prendre les mêmes positions. Ça faut avoir ça en tête, donc faites attention. Faites attention à ça, surtout les joueurs en fumigène, on les voit pas forcément, donc on n'y pense pas forcément. Et là c'est ce qui s'est passé, le joueur s'est retrouvé dans sa box. Ouais, est-ce qu'il va falloir très rapidement se boxer. Ouh là là, attention par contre, là il y a un joueur qui a pris le mur qui était près de lui. Heureusement il a été très réactif hein. Mais ouais, soyez vraiment attention, soyez vraiment attentif. Mais ouais, soyez vraiment attentif aux joueurs quand ils vont se poser à votre corps à corps. Boxez-vous très très rapidement pour pouvoir après poser potentiellement des pièges ou les shoot, ou avoir tout simplement la construire hein. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir les tuer rapidement. Donc là on a vu, il vient de se faire prendre sa bulle. Pas grave, après la bulle à ce moment là de la game est un peu moins intéressante parce que c'est très réduit, elle peut se faire casser rapidement. Là c'est pas grave hein. Il a encore 6 fumigènes, il va pouvoir tenir largement jusqu'au late game. Il a encore 1500 de construction. Donc là niveau mobilité le joueur est vraiment bien. Il reste encore 32 joueurs dans cette game. Donc ouais, c'est une game très difficile, très stackée. Donc ça va quand même être difficile, mais là les joueurs vont mourir très très rapidement là dans cette zone-ci. Donc là voilà, il se stuff bien et là maintenant voilà il se met sa potion, il a raison. Et là maintenant il va falloir qu'il prenne ses kills, on le voit dans le feed, c'est là maintenant qu'il va faire ses kills. Donc là il se place tranquillement dans la zone avec sa fumigène. Il prend un peu de hauteur, il a raison, là maintenant c'est le moment où il faut être un peu en hauteur pour pouvoir prendre des shoots. Voilà, maintenant voilà. Là très important encore, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Où est-ce qu'il s'est placé? Il s'est placé dos à la zone, dos à là où va la zone. De cette façon, tous les joueurs sont en face de lui et tous les joueurs vont vouloir aller vers lui. Et donc les joueurs seront sûrement en galère parce qu'ils sont en train de se battre avec d'autres joueurs, donc ils risquent de faire moins attention aux joueurs qui seront dans la zone et qui vont pouvoir prendre des pics sur eux, comme ces joueurs-ci là que vous voyez. Donc lui c'est très facile pour lui après de les shoot. Et c'est ce genre de fight là que vous voulez prendre. Ce genre de fight très facile. Sur des joueurs qui sont en galère, qui sont en difficulté, c'est des fights d'opportunité. Et c'est ce que beaucoup de joueurs professionnels font. Ils sont là au bon moment, et là sur des joueurs qui sont un peu en galère, qui vont devoir un peu sortir de la zone, et leur mettre la pression, et comme ça ils récupèrent des kills très facilement. Il va récupérer déjà un premier kill, ça va pas être le premier, là encore une fois un deuxième kill. Donc là vous voyez,
Juste parce qu'il avait la bonne position, il a pu récupérer 2 kills très facilement avec très peu de balles. Donc là il va refaire pareil, reprendre une fumigène, donc il va reprendre un peu une position où il sera bien dos à la zone s'il le peut, après bon c'est pas toujours le cas. Ou alors il peut tenter aussi de jouer le high ground, mais il pourra pas. Là dommage, il aurait peut-être pu prendre une meilleure position. Donc il se retrouve face à un adversaire sur une situation assez compliquée. Heureusement il a pris le kill, on va essayer de voir comment. Bon après il n'y a pas de secret, hein. C'est des joueurs qui au corps à corps ils loupent pas leur balle. Hein. Mais là c'était un peu dommage comment il s'est placé, je pense qu'il est un peu stressé, peut-être qu'il a voulu faire quelque chose mais il a pas fait ce qu'il voulait. Et après ouais, il est retombé un peu... Ouais c'était vraiment pas volontaire ce qu'il a fait. Il a mis une balle, première balle à 77 au joueur. Et une deuxième on n'a pas pu voir comment à cause du mode spec qui bug totalement. Bon au moins il a récupéré pas mal de stuff des mini bots, donc il peut se remettre full vie. Il va pouvoir se replacer, donc là on voit qu'il y a un joueur qui fait pas attention. Voilà donc là directement hop, le joueur qui a voulu grade, le joueur a vu hein, qu'il y avait des ressources à prendre. Il a pas fait attention qu'il y avait un joueur à côté, donc il s'est tout de suite fait punir par le joueur. Donc il est toujours très attentif un peu aux opportunités qu'il peut prendre. Ça peut paraître très simple ce qu'il fait, hein, parce que ça, en soi il fait pas des trucs très très compliqués, hein, mais en sous tension et sur le moment, il faut être réactif et il faut être présent. Et lui répond clairement présent, là, on peut le voir. Donc là, puis il continue vraiment à se placer, voilà, dos à la zone, donc là un joueur qui est un peu en galère. Le joueur qui carrément là, il était perdu je pense. Après bon, des fois on voit des joueurs qui font un peu n'importe quoi, des très bons joueurs qui font n'importe quoi. Faut juste comprendre qu'ils sont sous tension. Et c'est pas facile à la fin de gérer, il y a tellement d'informations à gérer et à traiter en très peu de temps. Et c'est là qu'on reconnaît un peu les joueurs pros. Et lui bon, on voit qu'il est très à l'aise, hein. Il fait pas trop d'erreurs. Donc là voilà, il récupère une faille, il récupère beaucoup de constructions. Donc bon là les constructions il va pas non plus s'amuser à extend pour les récupérer. Là dans les dernières games, dans les dernières zones, c'est pas le plus important, faut surtout essayer de prendre des kills. Parce que là voilà, il reste 15 joueurs, il y a beaucoup de gens qui sont en galère et c'est surtout eux qu'il va falloir aller chercher. Ces joueurs comme lui il en a pris avant, ces joueurs à une balle vous les prenez. C'est le genre de choses qu'il faut aller chercher. Donc là il a pris la faille. Donc là maintenant, clairement, il a 1500 de build. Non pas 1500, presque, il a 1300 de build. Il a une faille. Qu'est-ce qu'il peut aller jouer? La hauteur, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui auront plus de faille à ce moment-là de la game. Donc il peut tenter de prendre cette faille pour prendre le high ground. Et puis après gérer ce high ground jusqu'à la fin de la game. Et là s'il le fait, voilà, ça va clairement être quelque chose de décisif dans cette game, cette position. Parce que là si aucun joueur n'a de faille et encore un pad, ça va être compliqué. Il va pouvoir garder cette hauteur jusqu'à la fin de la game. Donc là autre chose très intéressante que je voudrais vous parler. Ok, on voit là, il a un peu tempo. Il a un peu tempo en hauteur, pourquoi? Bon déjà pour gagner un peu de temps, ça c'est très important, vous pouvez choisir ça. Mais pas non plus essayer de gagner trop de temps, parce que vous risquez de faire shoot en l'air. On est assez vulnérable dans cette méta quand on est en l'air, donc là il regarde un peu en bas. Donc là quand vous prenez cette faille, vous avez deux opportunités. Soit vous pouvez tempo en haut, ça peut être une possibilité, ça peut permettre de gagner du temps, gagner des tops. Là il peut essayer de viser le top 5, ayez toujours ça en tête, regardez un peu toujours là où vous en êtes dans la game. Quand est-ce que vous allez pouvoir gagner vos prochains points? Si vous êtes juste au top 15, bah peut-être aller chercher un peu, tenter un petit move. Si vous mourrez, bon, vous venez de gagner le top 15. Après, ça dépend de vos objectifs. Lui, il vise clairement le top 1. Donc là, on voit, hop, il est en train de tempo un peu en haut. Il regarde un peu ce qui se passe. Il voit qu'il y a un joueur. Le joueur, là, qu'est-ce qu'il fait? Le joueur va commencer à prendre des pics. Donc là, le joueur, clairement, il est en train de tirer. Il n'entend pas le joueur qui est au-dessus de lui, ou très peu, il a moins de chances de l'entendre. Il est concentré dans sa game, il y a un joueur qu'il a envie de prendre, donc il n'est pas forcément très attentif à ce qui se passe au-dessus de lui. Donc lui, il en profite, hop, l'attaque, il reprend la hauteur, il perd quoi? Il perd 10-20 HP, mais là, c'est pas du tout grave. Il a perdu 10-20 HP, mais il a vraiment pris... Là, ce move est parfait, hein. Il a vraiment attendu que le joueur en face il soit pas attentif, il a repris la hauteur, il a perdu 20 HP, mais là, par contre, il a le high ground. Et ça, en fin de game, c'est décisif. C'est vraiment la meilleure position. Donc là maintenant il va essayer de chercher un peu le joueur adverse. Donc là il fait vraiment bien attention qu'il n'y ait personne au-dessus de lui. Et là maintenant il va juste vouloir un peu push les joueurs qui sont juste en dessous de lui. Donc là je crois que le joueur en dessous de lui a pris une fumigène. Donc il se replace un peu en dessous. Toujours soyez. Faut toujours être allez, deux cases, une case. Bon une case ça peut être short parce que le joueur peut reprendre facilement la hauteur. Mais soyez peut-être deux cases au-dessus du joueur en dessous. Donc là c'est ce qu'il fait. Il contrôle pour pas que les joueurs puissent avec des pads reprendre la hauteur. Donc après il met la pression, il a raison, il met le joueur très très bas, il essaye peut-être d'aller le chercher. Après ne vous acharnez pas non plus trop sur un joueur parce que vous risquez après de faire des erreurs ou de grid un joueur, c'est pas forcément conseillé. Après bon lui il a un certain niveau qui peut lui permettre un peu de grid un peu plus un joueur, mais là vous voyez qu'il s'acharne pas non plus sur le joueur. Donc là puis il revoit un peu des joueurs.
Il reste toujours, voilà, toujours, il se remet un peu au-dessus, pas trop, faut jamais être trop en hauteur par rapport aux autres joueurs. Soyez toujours, oui, quelques cases au-dessus, comme je viens de le dire, au-dessus des joueurs, et redescendez au fur et à mesure avec eux. Donc là, très bon piège. Là, c'est très bien ce qu'il fait. Donc là, il bulle de pas au-dessus parce qu'il essaye en fait de justement prendre un visuel sur le joueur qui risque de décaler en fait de là. Donc là, c'est très intéressant. Donc là, il sait qu'il y a un joueur qui va décaler. Bon, après, il y a un moment, il faut forcément build. Faire attention de ne pas se faire reprendre la hauteur. Donc après, là, il reste 3 joueurs. Donc ce qu'il peut aussi réfléchir à faire, regardez autour si vous avez des feux de camp, si vous avez des heals, parce que vous pouvez aussi décider tout simplement de pas grid. Et si vous savez que vous avez de fortes chances de gagner, de gagner la game grâce au heal, bah, ça peut être une opportunité, hein. C'est pas jouer sale, hein. C'est juste jouer votre game. Vous avez la hauteur, il y a des joueurs qui sont peut-être en difficulté en bas, qui sont tous en train dans des petites boxes de ce fight. Donc il y a de fortes chances qu'il soit pas à 100 HP. Bon, lui il a 80, il n'a pas de heal. Donc savoir, c'est à tenter, c'est peut-être pas non plus la meilleure solution. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, il entend les joueurs qui se fight un peu en bas. Je suis pas sûr qu'il soit descendu. Il vient de prendre un kill. Ok, il vient de prendre un. Oh, c'est dommage. Ce mode de rediffusion qui bug, je suis vraiment désolé. Mais là, c'est assez chiant. Donc là, on a vu hein, ce très bon contrôle de cette hauteur pour pouvoir optimiser un peu cette hauteur, l'utiliser au maximum pour pouvoir après prendre un maximum de kills. Donc là, il cherche un peu les adversaires, il monte un peu pour prendre la hauteur. Je vais quand même voir où est-ce qu'il a pris son kill là, parce que je comprends pas trop, je pense qu'il a dû prendre un peu sur un joueur. Ah, on verra pas, je pense. Ouais, il a dû tirer une balle sur le joueur, et là encore une fois, voilà, très facile pour lui, hein. Est-ce qu'il a la hauteur, hein. Donc déjà, ces balles, il y a de fortes chances qu'elles mettent des têtes. Et les joueurs en dessous, bon bah ils sont en dehors de la zone, il y a la zone qui risque de gêner un peu leur vision. Donc ils voient pas grand chose et là ils récupèrent cette win très facilement. Hein. Bon, il y a eu quelques. Bon, des erreurs, hein. C'est là le joueur, c'est le premier de cette finale. Donc on parle d'erreurs, mais ça reste des excellents joueurs. Hein. Mais bon, il y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses où ils pourraient s'améliorer. Hein. La vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez la liker et vous abonner. Ma chaîne tourne autour du mode arène et de la compétition sur Fortnite. Je fais beaucoup de tutos. Je fais aussi des lives sur Twitch, lien dans la description. Dessus, vous retrouverez des moving zones et d'autres concepts pour vous améliorer sur Fortnite. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.